On va parler un peu de la retraite de ces 4 400 ici fonctionnaires qui sont allés à la retraite. Vous savez, on a vu le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui s'y mène bec et ongles pour certainement trouver une solution à ça. Nous allons essayer de parler avec M. Fidèle Bansou. Bienvenue, M. Fidèle. Merci beaucoup, Monsieur David, Jean-David. Voilà. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Merci. Mais on a vu d'abord au niveau d'abord de la fonction publique plusieurs secrétaires généraux qui ont été mis à la retraite. Il y a d'autres qui fustigent un peu cette procédure de fer. Bon, avant peut-être d'aborder ce sujet, je voudrais d'un revers de la main essayer un peu d'apporter quelques éclaircissements par rapport à notre émission de la fois dernière. Féliciter les autorités qui nous ont entendus parce qu'il y avait un homme, un Goliath, qui était en train d'obstruer les démarches du chef de l'État qui voulait que l'on améliore les conditions sociales, socio-professionnelles des agents. Et cet homme, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer qu'il ne dirige plus la direction de la Qui est paie. le secrétaire général? Le directeur de la paie, cet homme qui obstruait toutes les démarches des agents qui Aujourd'hui, voulaient, il est à la retraite. pas la retraite, mais il a été limogé. Limogé. Il a été Pour avoir limogé. fait quoi? Et nous félicitons les autorités qui ont entendu notre cri de détresse. Et aujourd'hui, on a ramené un directeur qu'il faut. Aujourd'hui même, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, nous avons été à son bureau. Un homme serviable. Il nous a reçus, il nous a conduits auprès de sa chef de division, liquidation 4, qui nous a reçus. Et tous les dossiers qui étaient bloqués par son prédécesseur, il a pris l'engagement à partir de maintenant, à partir de demain, de commencer déjà le processus en vue que les agents de l'agriculture puissent être payés. Et ça, nous ne pouvons pas passer sans vraiment placer un mot et remercier les autorités qui ont placé M. Houssène, le directeur de la paix actuelle, qui s'appelle Houssène Sébastien. C'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, maintenant le ministre, on a vu le ministre de la fonction publique qui s'est certainement lancé pour la mise à la retraite de certains fonctionnaires. Il y en a autant, mais la question reste celle de savoir avec quelle allocation de fin de carrière. Bon, je suis très mieux placé, très Allez-y. heureux d'ailleurs, Allez-y. d'aborder ce sujet. Le VPM Liaou, aujourd'hui, nous nous l'appelons papa social. Pourquoi pas Moi, passer? personnellement, je ne l'ai jamais vu comme ça, en face. Et lui ne me connaît pas. Mais les actions qu'il est en train de mener au niveau du ministère de la fonction publique, ça n'a jamais eu de pareil dans le passé. Donc, il mérite vraiment les encouragements. Il mérite qu'il soit reconduit même dans ces ministères. Qui soit Nous, reconduit. oui, nous avons répertorié plus de 55 actions depuis qu'il a pris possession du ministère de la fonction publique, depuis le 28 avril 2021. Aussitôt arrivé là-bas, plus de 55 actions. Nous avons essayé de répertorier au moins les actions qui sont les plus pertinentes. À son arrivée, les agents de l'État étaient dans un calvaire de retenue de 15% de leur salaire. 15%, monsieur David, ça nous a fait beaucoup souffrir. Mais quand il est arrivé, il a compris les cris, il a rabattu de 15% à 3%. C'est-à-dire, si on te coupait 200 000, aujourd'hui tu te retrouves coupé au moins 20 000 ou 30 000. Vous voyez, quand même, c'est un soulagement. Il a fait l'augmentation des salaires des agents de l'État de plus de 45%. Moi, par exemple, j'ai vu mon petit salaire là, médiocre bien sûr, mais au moins on a ajouté plus de 70 000 francs. C'est quand même quelque chose. On voit en lui cette volonté-là de vouloir changer les choses. Il a bloqué l'effectif. Effectif. L'effectif. Les présumés cas litigieux. Il y a des gens qui sont doublés, des fonctionnaires même qui n'existent pas, avec les contrôles biométriques qu'il a initiés.
on est en train de réduire très sensiblement les effectifs. Mais on a vu, il y a d'autres qualités. Je, dernièrement, il a même suspendu cette situation. Je vais y arriver. Ça ternit aussi son image. Mécanisation de plus de 22 870 agents, monsieur David. Plus de 28 870 fonctionnaires qui étaient NP, non payés. Aujourd'hui, ils commencent à toucher les salaires de base. C'est peu, mais au moins 0 et 1, ce n'est pas la même chose. Nous saluons beaucoup monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Le rajeunissement de l'administration, l'ENA, il commence à redonner. Mais ENA, c'est depuis longtemps, c'est pas lui. Mais oui, l'ENA venait de perdre sa lettre de noblesse avec les anciens ministres passés. Mais avec les VPM, les élèves de l'ENA, vous ne les voyez plus dans la rue faire des grèves. Vous ne les voyez plus dans la rue en train de manifester. Pourquoi? Parce que les VPM, c'est pourquoi même on a baptisé la promotion qui venait de finir au nom de son père. C'est-à-dire, Jean-Pierre Liaou, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons au moins pris en charge des soins médicaux. Pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. Et non seulement pris en charge des soins, nous avons aussi ce que vous dites, il y a des gens qui sont en train de vous suivre. Qu'ils me suivent et qu'ils viennent me contredire. Prise en charge des soins médicaux et frais funéraires. Moi qui vous parle, mon épouse a accouché par césarienne, je vous l'ai dit. Jusque-là, on ne m'a rien demandé. Seulement les médicaments. Il a accouché où? Quel hôpital? Clinique Ngaliema. Depuis vendredi. Depuis qu'elle a commencé la grossesse, on la suit jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais payé un seul. Clinique Ngaliema. Accouchement gratuit. Frais de soins médicaux gratuits. Vous achetez seulement les ordonnances, on vous donne, vous achetez les médicaments. Mais vous payez, non? Aucune facture. Aucune facture. Je vous assure. Mais vous ne faites pas sortir aucune facture. Et des ordonnances, l'argent des ordonnances, vous payez. L'argent des ordonnances, qu'est-ce qu'on fait? Après que madame sera sortie de l'hôpital, je vais collationner toutes ces ordonnances-là. Et le gouvernement va me rembourser l'argent. C'est ça ce qui s'est fait. Ça, s'il y a quelqu'un qui doute, il va venir me contredire. Nous pouvons aussi parler de la retraite dont vous avez fait mention. De plus de 4000 personnes. Ça s'appelle retraite honorable. C'est une retraite jamais vécue. Alors, pour quelles allocations de fin de carrière, il n'y en a pas? Les allocations de fin de carrière sont très bien déterminées. Chaque secrétaire général aura un montant qu'il lui faut pour l'honorer par rapport aux hautes fonctions qu'il a assumées pour la République. Plus de 4000 fonctionnaires, CG, directeur, chef de division, chef de bureau et toutes tendances confondues. Monsieur David, il faut qu'on soit vraiment ivre ou aveugle pour ne pas reconnaître les actions que mènent les VPM Liaou au ministère de la fonction publique. Très récemment là, j'étais de passage, j'ai vu des agents de l'État qui sont venus remercier les VPM de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus leurs conditions salariales revu très sensiblement à la hausse. Conditions salariales. Ils sont venus lui remercier avec une vache. Les agents de l'État, je dis bien, sont venus. Les images, je les ai. Si vous voulez, je peux vous les brandir. Je pense. Oui, mais il y a d'abord. C'est ça. Parmi les warriors. Ça, c'est bien, vous parlez, vous êtes en train de les vanter. Je vous ai posé la question par rapport à cet arrêté qui a fait à ce que lui-même puisse suspendre ça. Oui. C'est qu'il a trouvé qu'il y avait des fictifs. J'en viens. Il y a eu mauvaise foi de ses collaborateurs. D'ailleurs, je profite de cette émission pour lui présenter ma candidature au poste de conseiller parce qu'il a limogé plusieurs conseillers. Ce n'est pas le fait aussi de son laxisme. Les conseillers n'ont pas aidé son excellence. C'est pas parce qu'il a été aussi Ils ont profité de cette vague pour injecter des personnes qui n'étaient pas dans les critères. D'où pour sanctionner, pour montrer qu'il n'a pas, il n'a pas été
que ses agents n'ont pas été à la hauteur de leur tâche, il les a mis dehors, ce qui est normal. Monsieur le VPM, je vous présente ma candidature comme conseiller, comme conseiller au sein de votre cabinet, parce que certains de vos conseillers ont prouvé leurs insuffisances. Je continue, monsieur l'erreur, David. Écoutez d'abord, l'erreur des conseillers, ce n'est pas dû aussi au laxisme aussi du ministre, parce qu'il a été beaucoup plus laxiste, et qu'aujourd'hui, il y a certains conseillers qui se voient comme des électrons libres qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi il a sanctionné, parce que certains conseillers se sont évertués dans les désordres, il les a sanctionnés, ils sont suspendus. Ils sont suspendus. Voilà, s'il ne les avait pas suspendus, on comprendrait qu'il y était pour quelque chose. Mais dès lors qu'à la minute où il a pu découvrir qu'on a injecté des personnes qui n'étaient pas dans les critères, il a frappé. Voilà un homme d'État, un homme qui sanctionne. Je continue, monsieur David. Titularisation et promotion des agents de l'État. Je vois que là, c'est trop. Ça n'a jamais existé depuis plus. Vous trouverez à la fonction publique. Titularisation ? Titularisation et promotion de tous les agents de l'État. Depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais vécu ça. Est-ce que la titularisation. Est-ce que vous avez été promu ? Je pense que peut-être dans la vague qui va venir, je serai aussi promis. Parce qu'il a demandé, il a demandé qu'on réactualise les listes pour toutes les administrations, pour tous les services de l'État. Depuis des décennies, on n'a pas encore vu cette vague de titularisation ou de promotion. Les promotions étaient maintenant monnayées, étaient maintenant Colino, Tribalo, actuellement, c'est pas monnaie. Aujourd'hui, c'est la méritocratie. Tu as déjà fait plus de 3 ans dans un poste. On doit te promouvoir. On doit te promouvoir. Et nous saluons cette action de la part du VPM qui est venue soulager les agents de l'État que nous sommes. Le dialogue social. Il a instauré. Le dialogue social, vous suiviez dans les passés. Farafarana, VPM. Chaque mercredi, devant tout le monde. Mais là, ça ne se fait plus. Non? Il recevait tout le monde. Mais il ne reçoit plus. Il ne reçoit plus maintenant, là, parce que, avec la conjoncture de la COVID-19, mais. Mais il les faisait après COVID, c'est pas mal. C'était avant. Avant COVID, il les faisait. Après COVID, il a commencé à réduire un peu les effectifs. Peut-être c'est que nous pouvons lui demander qu'il puisse reprendre cette activité qui était saluée de tout le monde. Mais aujourd'hui, à la fonction publique, monsieur David, il n'y a plus ces histoires-là des marches, des sit-ins. Dès qu'il apprend qu'il y a des agents qui ont des problèmes, il sort de son cabinet. Pas des policiers pour réprimer les gens. Il sort de son cabinet. Il vient recevoir. Il vient vous écouter. Et aussitôt, il cherche la solution aux problèmes des agents. Moi, je pense, monsieur David, que le VPM Jean-Pierre Liaou, c'est une solution pour l'administration publique. Avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, à la fonction publique, ça n'a jamais existé dans le passé. Et donc, si remaniement il y aura, ma voix est celle de demander à l'autorité suprême. Ça, c'est votre voix, peut-être. Oui, c'est ma voix. À l'autorité suprême de reconduire monsieur le VPM Liaou. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Nous sommes là pour encourager les actions. Merci beaucoup, monsieur. Mais monsieur David, je vais vous demander 2 minutes. Allez-y. Je ne peux pas finir sans saluer la personne de mon ministre, le ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et le secrétaire général. Il a fait quoi ? Je vous dis, aujourd'hui même, aujourd'hui, nous avons été reçus par son cabinet. Il est descendu, comme l'émission passée, nous lui avons demandé d'aller voir le Mineta Bauge pour résoudre les problèmes des agents de l'agriculture. Je vous dis, c'est chose faite. Au mois d'octobre ici, les agents de l'agriculture, où qu'ils sont, qui me suivent, ils vont voir quelque chose parce qu'on nous a dit que ça va se faire graduellement. Là, ce sont en des octobre, promesses, il faut attendre. Pas des promesses. Ce sont des promesses. Nous étions à la direction de la paix aujourd'hui, c'est confirmé. Au mois d'octobre, il y a quelque chose qui s'ajoute dans les rémunérations donc, des agents. Donc, vous, au moins, vous vous retrouvez, vous pouvez facilement voyager. Et nous saluons l'implication du ministre de l'Agriculture et du secrétaire général qui sont en train de mener des efforts afin que ce ministère soit vraiment. Attractif. Par exemple, plus de 50 agents envoyés en mission de service. Ah oui, ça pour les contrôles. Merci. Les contrôles, vérifier l'effectif. Merci beaucoup. Et vous venez aussi des missions. J'étais en Corée du Sud, dans une mission. Faire quoi là-bas?
Une formation. Dans une formation. On vous a formé. On nous a formé pendant plus de 13 jours. En quelle langue? En anglais, bien sûr. En anglais. Oui. Vous parlez l'anglais? Un peu, oui. Et on avait l'interprète pour OK, merci. Donc, nous saluons le CG Baudouin Kalala et nous lui encourageons avec le ministre Désiré Bilanze qui ne cesse de ménager des efforts afin que l'agriculture puisse redorer sa lettre de noblesse. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va parler cette fois-ci de la sécurité. Sécurité. Occupation de Bounagana. Tout de suite avec Jean-Baptiste Kasekwa Moindo. Bienvenue à tous.